du centre-ville au quartier, des campagneuses aux bourgades, l'idée qu'il faut bien s'habiller fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement. On croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle d'une vie sans autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver en Lévis et en Lacoste. Moi j'arpente le pavé avec un polo Laposte, ça donne de quoi discuter. Plutôt que de parler du ciel, une voix, une facilité face au vide existentiel. Bonjour, moi c'est Calvin Klein, aujourd'hui moi c'est champion et à part ça tout va bien. On est tous les mêmes pions, certains pions n'ont pas l'argent pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand qui procure tant de joie. Ils se servent directement et les vitrines explosent, c'est plus drôle assurément, mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population. Leurs ambitions faussées, la plonge dans l'obsession de ne jamais être dépassé. Sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'on ne devienne pas méchant. Pour qu'il n'y ait que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, à ce que l'on possède soient limités. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe, ou alors c'est l'exclusion, tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Consomme différemment quand tu deviens adulte mature. Ce ne sont plus les nouveaux vêtements mais la nouvelle voiture. Il te faut te renouveler, renouveler ta pâture, car ta personnalité se trouve dans l'armature de ton signe de pouvoir, aux quatre jantes chromées et de ton bel objet de foire que jalouseront les paumés. À force de consommer frénétiquement, on finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Tu me parles, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits et dépendent de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, chaque bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel, qui a pour seule ambition de posséder du bien matériel, seul facteur d'intégration au mode de vie officiel. L'homme du troisième millénaire sera le consommateur frustré, envieux, actionnaire, un con, un saut, un mateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme.